Joyeux anniversaire, Alizée. L'interprète de moi. Lolita a célébré son 39e printemps lundi 21 août. À cette occasion, Anneli, la fille de la chanteuse et de Jérémy Châtelain, a partagé sur son compte Instagram une série de photos inédites du mariage de sa mère avec Grégoire Lyonnais, célébré en juillet 2016. Sur les clichés, on peut apercevoir une jeune demoiselle aider la future mariée à se préparer avant son grand moment. Ajustement de voile, regard complice et embrassade, la publication souligne tout l'amour que se porte le duo mère-fille. En légende de son post, Anneli a laissé un tendre message à l'attention de sa mère. Joyeux anniversaire maman, je t'aime, a écrit la fille de Jérémy Châtelain. Visiblement touchée par le geste de son aînée, Alizée a commenté à son tour, je t'aime ma fille. Un gage du lien fusionnel qui unit mère et fille depuis maintenant 18 ans. Pour l'anniversaire d'Anneli, en avril dernier, l'interprète de Gourmandise s'était, elle aussi, saisie de ses réseaux sociaux pour déclarer tout son amour et toute sa fierté à sa fille aînée en ce jour d'une grande importance. Pretty Ayetin, avait écrit Alizée en légende d'un carrousel de photos d'elle et de sa fille. Le plus merveilleux des anniversaires à mon amour de ma vie que j'aime d'amour Anneli Châtelain. 18 ans. Je t'aime à l'infini. Supérieur à Louane, Alizée. Ces stars qui sont devenues mamans très jeunes Anneli, grande sœur depuis bientôt 4 ans si elle n'avait qu'11 ans au moment du mariage d'Alizée et de Grégoire Lyonnais, Anneli est maintenant une adulte. Du haut de ses 18 ans, la fille de Jérémy Châtelain a toutes les cartes en main pour assurer son rôle de grande sœur envers Maggie, sa demi-sœur née en novembre 2019. Plus tôt cet été, toute la famille a d'ailleurs été aperçue sur l'île de Beauté, d'où est originaire Alizée, pour profiter des plus beaux jours de la saison estivale. La chanteuse n'avait d'ailleurs pas manqué de documenter cette escapade sur son compte Instagram. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Denis Guignebourg.